Sortie en forêt avec mon copain Fred. Salut Fred. Ah, tu peux dire bonjour Fred. Bonjour. Bien, très bien. Bon, alors premier son. Ici là, Fred a creusé. Tu peux nous dire ce que c'est Fred? Alors, beau bouton de vareuse. Ah oui, encore et toujours. Avec sa bonne couleur d'origine. Parce que bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est toujours sur notre petit site camp allemand. Un petit son. On va creuser Fred? Allez. Là, c'est parti. On va voir. Hein? On va voir. Il y en a plus si je t'ai. Je vais visiter de ce côté-là. Hein. Qu'est-ce que tu vas semer, des poireaux? Ah bien, c'est sorti. Eh, hey, tu l'as. Une merdouille. Une merdouille douille de chasse. De la merde. Eh ben on continue, tant pis pour nous. Salut. Écoutez, voilà, ça sonne partout, ça creuse pas mal. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est daté 1941. Et puis alors du coup, ben, juste là, en fait je vais encore creuser. En tout cas, un oblique de la flaque. Du 20 mm allemand. Alors je sais pas si ce que ça va avoir. On qu'on fasse un peu de recherche. Ouais, c'est daté 41, c'est marqué ici dans le fond là. Enfin, on va pas voir à la caméra, mais bon, on va continuer à creuser. Il y a peut-être encore des obus. Encore une position de DCA. On en a trouvé une tout à l'heure, à peu près à 100 mètres, à peu près ici au bord de la route. C'est là où on a trouvé l'obus flac 20 mm. Donc ici, devant ce trou là, ça va se passer de 50 cm. Ben, trois détonateurs. Ça doit être des mines Betty bondissantes, des mines allemandes, antipersonnelles. Donc voilà. Bon, on continue, hein, Fred. Alors, pour ceux qui aiment le militaria, là-bas dans le fond, une position DCA. Une deuxième ici. Ici, une troisième. On se demande bien ce qu'ils voulaient protéger. Mais bon, il y a de quoi fouiller encore. Et on continue. Ah, ça sonne. Tu veux que je croise? Ouais. Ok. Oui, on devrait aller. Donc là, juste au-dessus, c'est ça. Qu'est-ce donc mon refus? Alors là. Ah. Oh, tiens. C'est bien. Une monnaie? Ouais. Oh, ça a l'air d'être de l'argent ça. Ça ressemble. C'est quoi? Marqué quoi dessus? Ça m'a mis un peu. Mais... Ouais. Bon, une monnaie alors? Français. Français. Une pièce en argent française. 5 francs. 5 francs. Ouais. C'est quelle année, tu vois? Je sais pas. Bon. Non. On nettoiera. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, on n'a pas grand chose à nettoyer quand c'est de l'argent, c'est super. Pas de nettoyage, ouais. Ok. Bah, tant mieux, hein. Bah, une bonne trouvaille. Autre que du militaria.
Ouais, ça change. Sympa, super. C'est super chouette. Ça change une fois, quoi. Ouais, ça change. Allez, on continue, peut-être qu'on en trouvera une autre. Ouais. Un nouveau son. Encore une belle trouvaille. Alors, juste à côté de la pièce en argent qu'on a trouvée, bah, qui est juste là, en fait. À même pas un mètre, là. C'est quoi, là? Une deuxième pièce en argent. Encore une 5 francs. Hop, oh, je suis normal. Le beau visage de l'empereur. Napoléon. Ouais. Napoléon. Ah, c'est super ça. Ouais. 1810. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Bon, disons. Au moins on est sorti pour quelque chose. Hein. Je l'ai perdu. Bon ben voilà, on continue. Enfin il se fait un peu tard, peut-être on va rentrer. Hein. Bientôt 5h. Ouais, je pense. Bon ben voilà, vidéo terminée. Ouais. Je crois qu'on va arrêter là, on va rentrer. On a déjà fait des bonnes trouvailles. Ouais, super. Ouais. Bon ben un petit coucou à tout le monde. Allez, à la prochaine. Bon. Salut, au revoir. Alors voilà les trouvailles de la journée. À commencer par ces choses-là. Alors on sait absolument pas ce que c'est. On a regardé avec Fred sur internet. Pour l'instant on n'a rien trouvé. Daté 41 avec la marque. Il y a une marque. C'est quoi la marque, Jean? Ventol. Ouais, Ventol. Bon. Par contre, on voit qu'il y a de la poudre. Alors, mise à feu, je sais pas. On sait pas. Alors, pour l'instant, on sait pas. Alors, si quelqu'un peut nous renseigner, on est preneur. Alors après, une douille. Une balle. Un obus même. Ouais. Un obus de 20 mm. Allemand. La flaque. Pas mal de munitions, 3 détonateurs de mines Betty bondissantes. Ici, avec un ressort. Bon, peut-être pour déclencher une mine. Ici encore, alors 4 détonateurs, mais on sait pas, je sais pas encore ce que c'est en fait. Avec le fil, on voit ici encore les fils. Des balles d'exercice. Et deux jolies monnaies. Alors, 5 francs en 6. En 6, donc révolutionnaire. Hop, là, je la mets là. Et 5 francs 1810, Napoléon. Voilà. Belle trouvaille. Donc voilà, donc c'est vraiment ces choses-là en bas clé rouge. On se demande ce que c'est. Bon, on va chercher de notre côté. Puis si vous pouvez nous renseigner, laissez des messages. Merci, à bientôt, au revoir.